And welcome to French with Love. In this video, we will see an example of DELF A1 exam. DELF is a diploma which is issued by the Ministry of Education of France and proves that you know French. DELF A1 exam is based on level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR. It is an international standard for describing language ability. The CEFR describes 6 levels of language ability from A1 level, which is for beginners, to C2 level, that is proficiency. DELF A1 exam is composed of 4 different sections. Each section is marked out of 25 points. The sections are listening, reading, writing, and speaking. To pass this exam, overall, you must get at least 50 points out of 100. The minimum mark required per section is 5 out of 25. Total duration of the written exam, which is composed of listening, reading, and writing parts, is approximately 1 hour and 20 minutes. Total duration of the oral exam is around 15 minutes. 10 minutes for preparation and 5 to 7 minutes for speaking. Now, let's begin our exam simulation with listening part. Listening. In this part, you will listen 3 or 4 very short recordings from daily life situations. These recordings will be played twice. Generally, there will be 4 questions for each recording. This part will take approximately 20 minutes. For this part, we advise you to focus on numbers because there will be some questions where you need to write down the numbers that you hear. The numbers might be about train or plane numbers, telephone numbers, time, etc. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Première écoute. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol numéro TS-538 au départ de Nice et à destination de Paris va partir à 9h50. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 15. Nous vous remercions de voyager avec nous et nous vous souhaitons un bon voyage. Deuxième écoute. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol numéro TS-538 au départ de Nice et à destination de Paris va partir à 9h50. Nous invitons tous les passagers à se présenter porte 15. Nous vous remercions de voyager avec nous et nous vous souhaitons un bon voyage.
Exercice 2. Vous allez entendre deux fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions. Première écoute. Salut Marc, c'est Damien. On va au restaurant ce soir pour fêter l'anniversaire de Sophie. Tu es disponible? Je peux venir te chercher à ton domicile vers 19h. Appelle-moi au 09 29 32 45 98 pour confirmer. À tout à l'heure. Deuxième écoute. Salut Marc, c'est Damien. On va au restaurant ce soir pour fêter l'anniversaire de Sophie. Tu es disponible? Je peux venir te chercher à ton domicile vers 19h. Appelle-moi au 09 29 32 45 98 pour confirmer. À tout à l'heure. Exercice 3. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez d'abord les images. Première écoute. Situation numéro 1. On va commencer par vous faire un shampoing avant de vous couper les cheveux. Oui, bien sûr. Situation numéro 2. J'adore faire du vélo. Fais attention, donne-moi ta main sinon tu vas tomber. Situation numéro 3. Ce magasin est magnifique. Regarde ces deux robes, elles sont parfaites. Oui, elles sont très jolies. Et moi, je pense que je vais acheter cette veste. Situation numéro 4. Je t'aime. Ton simple sourire me remplit de bonheur. Te voir heureuse est une douceur pour mon cœur. Merci pour tes compliments. Je suis heureuse uniquement à tes côtés.
Deuxième écoute. Situation numéro 1. On va commencer par vous faire un shampoing avant de vous couper les cheveux. Oui, bien sûr. Situation numéro 2. J'adore faire du vélo. Fais attention, donne-moi ta main sinon tu vas tomber. Situation numéro 3. Ce magasin est magnifique. Regarde ces deux robes, elles sont parfaites. Oui, elles sont très jolies. Et moi je pense que je vais acheter cette veste. Situation numéro 4. Je t'aime. Ton simple sourire me remplit de bonheur. Te voir heureuse est une douceur pour mon cœur. Merci pour tes compliments. Je suis heureuse uniquement à tes côtés. Exercice 4. Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis, vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Lisez d'abord les questions. Première écoute. Situation numéro 1. Bonjour monsieur, j'ai une réservation pour une semaine. Oui, je vais vérifier cela tout de suite et vous dire votre numéro de chambre. Vous vous appelez comment ? Madame Masson. Voici votre clé. C'est la chambre 201 au deuxième étage. Situation numéro 2. Bonjour madame, je voudrais un billet aller simple pour Lille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Demain matin. J'ai une place en wagon 15. Ça coûte 50 euros. Très bien, je vais payer par carte. Situation numéro 3. Mademoiselle Dupont, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Martin ici présent ? Oui. Monsieur Martin, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Dupont ici présente ? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Vous pouvez donc embrasser la mariée. Deuxième écoute. Situation numéro 1. Bonjour monsieur, j'ai une réservation pour une semaine. Oui, je vais vérifier cela tout de suite et vous dire votre numéro de chambre. Vous vous appelez comment ? Madame Masson. Voici votre clé. C'est la chambre 201 au deuxième étage. Situation numéro 2. Bonjour madame, je voudrais un billet aller simple pour Lille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Demain matin. J'ai une place en wagon 15. Ça coûte 50 euros. Très bien, je vais payer par carte. Situation numéro 3. Mademoiselle Dupont, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Martin ici présent ? Oui. Monsieur Martin. Voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Dupont, ici présente ? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Vous pouvez donc embrasser la mariée.
L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. Reading. In this part, you will have 4 or 5 different exercises. In each exercise, you will read a very short text about everyday life. It could be an invitation, an advertisement, an announcement, an email, postcard, or message from a friend or even a TV guide. Then, you will need to answer 2 to 5 questions for each text. For this part, we advise you to understand who the sender and the receiver are, the purpose of the document, and pay attention to the dates, for instance, when the text is written or when the event will take place. Read the questions carefully and understand what you are asked in order to give correct answers and not to be out of context. This part will take approximately 30 minutes. But in this video, you will have a few seconds to read the questions. So, do not hesitate to hit the pause button to have more time. L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.
writing. This section is composed of two parts. The first part is filling out a form with some information. It might be for a hotel reservation, an application, or a subscription. In the second part, you are required to write a short essay, generally at least 40 words, with simple phrases on everyday topics. It might be a postcard, an email, a message, etc. This part will take approximately 30 minutes. But in this video, you will have a few seconds to read the questions. So, do not hesitate to hit the pause button to have more time. L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos. Speaking. This section is composed of three parts and will take approximately 15 minutes. 10 minutes for preparation, and 5 to 7 minutes for the speaking exam with the interviewer. The first part is a guided conversation and will take about 1 minute. The examiner will ask you simple questions about you and your life. For instance, your name, your family, your hobbies, your profession, the things you like or don't like, etc. The aim of this part is to see if a person can introduce himself, herself, and talk about himself, herself by answering simple questions. In this part, the examiner will ask you questions one by one by talking slowly and clearly. Vous vous appelez comment? Avez-vous des frères et des sœurs? Quels sont vos loisirs? The second part is exchanging information and will take about 2 minutes. In this part, you will randomly choose 6 cards with some words written on them. This time, you will ask questions to the examiner by using the words written on the cards. For instance, if you choose a card with the word nationality, then you can ask to the examiner that what his, her nationality is. For every card you choose, you need to ask only one question. The aim of this part is to see if a person can ask simple personal questions on familiar and concrete subjects and show that he, she understands the answer. Part is a role play, which will take about 2 minutes. For this part, some subjects will be presented to you
and you need to choose only one for the role play. Generally, you will be the client and the examiner will be the seller. And you both play a basic shopping game with toy money. In this game, you need to say what you want to buy, the quantity, and ask questions about the price. Don't forget that during the oral exam, in every part, your vocabulary, your pronunciation, and your grammar knowledge will be evaluated. Don't forget that it is very important for you to understand the questions and the instructions correctly in order to be successful in the exam. Last but not least, always be positive and smile. That learning French is difficult. But we hope that this exam simulation helped you. You can find the answer key of this exam in our website. The link is in the description part of this video. You are preparing to take this exam, and I know how you feel, because I did pass this exam too. Although I didn't know even a word in French, I succeeded in this exam with a high score. How? With a brand new method. We will tell you more in next videos. So please do not forget to like this video and hit the subscribe button. Be ready to learn French with a love story.